Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va apprendre à faire ça. Tout va être sur Final Cut Pro, donc c'est très simple, c'est des plugins qui sont directement intégrés dans Final Cut Pro quand vous l'installez, donc rien besoin d'acheter, c'est totalement gratuit. Et en fait, on va tout simplement remplacer le ciel, donc comme vous pouvez le constater, le ciel il bougeait vachement vite comparé à mon sol, donc ici par exemple, regardez, je vais montrer. Donc j'ai bien remplacé le ciel et c'est bien une vidéo, on voit bien l'eau qui bouge ici, on a même un oiseau qui passe ici. Et pareil, ici on a une vidéo et aussi on a un timelapse qui est là. Vous allez pouvoir changer n'importe quel ciel, à partir du moment où vous avez un plan qui est vraiment pas beau, le ciel est vraiment tout blanc, etc., je vous conseille vraiment de changer votre ciel, ça coûte rien, ça prend 2 secondes à faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour une première vidéo, vous avez plusieurs possibilités. Moi j'ai pris vraiment quelque chose qui ne bougeait pas trop, donc je vais mettre tout ça aussi au ralenti. Donc je vais partir ici, je vais mettre ça à 50% parce que je peux faire un ralenti de 50% dessus, et je vais mettre quand même dessus une petite stabilisation qui va nous aider justement. On essaie de bouger le moins possible parce que c'est vrai que pour le logiciel c'est compliqué tout ce qui est feuillage ici, donc on va devoir jouer un petit peu sur l'opacité et plein de choses. On va prendre ensuite en dessous de ce plan là quelque chose qui va permettre de remplacer notre ciel. Donc moi pour ma part j'ai pris ce ciel là. On va peut-être prendre celui-ci pour voir un peu ce que ça change. Mais en gros voilà, vous prenez votre ciel, vous coupez là où vous voulez que votre plan se finisse. Voilà. Et enfin vous allez ici dans effet et vous avez incrustation. Donc incrustation c'est dans Final Cut Pro, je répète, pas besoin de télécharger quoi que ce soit, c'est direct dedans quand vous l'installez. Vous avez incrustateur et incrustateur en luminance. Parfois vous allez utiliser le incrustateur en luminance. Donc quand il est appliqué, vous allez juste en fait régler vos blancs et vos noirs. Quand vous avez un ciel bien blanc, vous allez utiliser celui-là, en fait, vous allez chercher ici pour pouvoir trouver quelque chose qui correspondrait à ça. Donc je peux inverser par exemple ici, et voilà, j'essaie de trouver quelque chose. Sauf que bah là, mon ciel, il s'y prêtait pas, donc je vais prendre plutôt l'incrustateur classique. À utiliser quand j'utilise des fonds verts par exemple, ça marche super bien. Vous le mettez sur votre plan, et là vous vous rendez compte que tout a disparu, on voit le timelapse qui est en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite augmenter la taille de son timelapse en dessous pour avoir le plus possible en haut le ciel, parce que ce qui nous intéresse c'est en haut de l'image ici. Et ici on va réduire la force, donc on réduit la force et comme vous ressentez le plan qui est au-dessus ici va reprendre le dessus. On va prendre ensuite l'échantillon de couleurs et on va commencer à cliquer dedans, et là on va commencer à faire des petits carrés un peu en descendant le long de notre ciel. Et sans trop, et il faut bien regarder partout s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce qu'en fait, lui, il va rechercher les couleurs qu'il y a là-dedans et va supprimer toutes les couleurs qui correspondent à ce ciel-là. Sauf si vous avez, bien entendu, le ciel qui reflète quelque part, et bien forcément, ça va s'enlever quelque part d'autre. Si vous avez du vert, ça va enlever tout le vert. Donc la force, après, vous pouvez la régler comme ceci, là, pour avoir quelque chose de moins puissant. Et on peut affiner les bords. Donc là, pour affiner les bords, comme vous pouvez le voir, on cherche un peu. Voilà, on peut chercher un peu et ici on peut donner plus d'impact en fait sur le bas de notre image avec les bords. Donc là on va aller chercher plus de couleurs. Voilà, et ici on va essayer de faire apparaître le plus possible notre partie du haut de l'image. Donc voilà, là on a normalement bien fait notre travail, ça devrait aller. Je vais pouvoir peut-être zoomer un peu cette partie là parce que je vois qu'en bas il y a une petite ligne. Voilà, je reviens sur mon plan. Donc là je viens de me mettre un LUT pour pouvoir coloriser un peu tout ça. Parce que moi c'était du vlog, vous n'aurez pas besoin de faire cette manipulation là si vous avez filmé en normal. Sinon c'est que vous savez déjà faire si vous filmez en vlog comment vous mettre un bullet. Et ici je vais commencer à pouvoir jouer en fait sur mon niveau de débordement pour voir ici, on peut voir là le bord ici, j'ai quelques arbres. On peut voir que c'est un peu blanc, donc ce qu'on va faire c'est que on va toucher un peu encore celui-là. Et ici on peut aller dans l'enveloppe de lumière, dans la quantité, et on peut commencer à toucher. Comme vous pouvez le constater sur le bord là, les petits arbres ici, on commence un peu à avoir quelque chose de plus contrasté. Et ici on a l'intensité, donc là pareil je vais contraster un tout petit peu plus. Voilà, s'il y a des petits effets ici qui apparaissent dans le ciel, c'est normal, c'est parce que c'est l'ordinateur qui charge. Et on peut régler enfin l'opacité, moi je vous conseille de la laisser à 100%. Vous avez les modes, si vous voulez aller plus loin vous pouvez toucher aussi ce qui est un peu dans les blancs, de réduire par le contraste, donc ça permet de toucher un peu, j'ai vraiment pas besoin sur ce plan là. Et enfin on peut saturer. Donc là on a l'air d'avoir notre plan qui est quand même fini. Je vais vous montrer. Maintenant, si je mets par exemple un LUT par-dessus, normalement, si vous avez bien fait votre incrustation, si vous avez bien fait les réglages, suivant en fait les plans que vous allez avoir, bah, vous allez pouvoir changer votre ciel. Donc mon ciel au début n'avait pas du tout de nuages, et bah, là, je vais pouvoir lui mettre des nuages, ou je vais pouvoir lui mettre un timelapse, etc. C'est vraiment vous qui allez choisir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre ciel. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est vraiment chacun choisit comme il veut. Même, vous voyez, il y a un petit mouvement de caméra, mais ça, c'est pas grave, vu que de toute façon, notre ciel, il était complètement supprimé. On peut voir qu'on a un petit peu ici du travail à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans l'incrustateur et on va commencer par combler les trous comme ceci. Voilà, j'ai comblé mes trous,
Et là maintenant, bah, j'ai plus de problème ni dans mon ciel, ni dans mon sol ici. Donc j'ai bien le plan ici qui va à gauche et qui est en vitesse normale. Et ça peut être aussi artistique de faire, par exemple, comme ici, de mettre un timelapse à la place du ciel qui bouge à peine, comme si ça avait été en temps réel. Là, je trouve que c'est plutôt beau. Donc, je vais garder ça comme ça. Après, il existe aussi le niveau de débordement qui va permettre aussi de récupérer certaines lumières qui sont intéressantes des fois quand vous avez des reflets. Ça peut être intéressant. Et enfin, si vous voulez inverser pour voir ce que ça fait, ben, vous allez vous rendre compte que ça fait comme ça. Vous pouvez revenir en arrière. Donc voilà, c'était un tuto assez rapide, mais c'est vraiment pas compliqué. En plus, c'est gratuit. Il n'y a pas de plugin à installer, rien du tout. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.